Je vous présente aujourd'hui donc l'Asus Zenfone Selfie qu'on m'a demandé de tester. Donc voici la boîte que j'ai reçue. Donc celui-là est de couleur grise. On va l'ouvrir. À l'intérieur donc ce magnifique smartphone que j'ai commencé à utiliser. Donc au départ il y a un petit emballage plastique pour le protéger. À l'intérieur de la boîte le mode d'emploi, le chargeur. Avec ici le câble USB, des écouteurs, des intras, ce qui est de plus en plus rare dans les smartphones actuels. C'est pas mal du tout. Ce smartphone donc est en version 32 Go, couleur gris, et avec 3 Go de RAM et un processeur S615 de chez Qualcomm. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du milieu de gamme. Qui tend vers le haut de gamme. Alors le principal atout de ce smartphone, c'est bien entendu, vu son nom, l'appareil photo. Donc vous avez ici l'objectif qui est assez grand, frontal, et le même en fait en dorsale. Donc les deux sont 13 mégapixels. Alors on va ouvrir le smartphone. Il y a une petite encoche ici, si vous voyez. Alors le dos est en plastique, mais c'est du plastique qui a l'air assez solide, hein. Ça fait pas bas de gamme. Il est assez difficile à ouvrir. Voilà. Là, le dos se présente comme ceci. Vous avez les deux compartiments pour les deux SIM, parce que le smartphone est double SIM. Le smartphone est double SIM, donc il y a la numéro 2 là, la numéro 1 là, et au-dessus de la première SIM, vous pouvez mettre une carte SD, ce qui est très 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 bien et de plus en plus rare. Et la batterie est amovible. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Je vous en ferai de prochaines en présentant les caractéristiques plus détaillées du smartphone. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir.